Yo tout le monde, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Madden NFL 16. Aujourd'hui, deuxième week de la FFL, de la French Football League sur PS4 Madden 16. Voilà notre première saison. Donc aujourd'hui, on va jouer contre les New York Giants de Yan Yack. Donc Yan Yack, voilà, tous ceux qui suivent mon stream le connaissent bien. Je le connais bien aussi, il me connaît bien. Donc ça risque d'être un match fort intéressant. Voilà, j'ai gagné de peu la semaine dernière contre les Eagles. Un match où j'ai vraiment très très mal joué. Et voilà, on va essayer de partir sur un gros match contre Yan Yack là. Voilà, il nous faut gagner ce match pour partir sur deux victoires. Et pour faire comme les Falcons en réel, voilà, faire comme eux, voilà. Donc les Falcons d'ailleurs, donc là on est le dimanche soir, qui viennent de gagner contre les Cowboys, voilà, ça fait plaisir, troisième victoire pour ce début de saison. Et il faut qu'on enchaîne pareil, il faut qu'on suive les mêmes performances. Donc voilà les coachs XP, ouais, bon. J'ai pas trop encore regardé ce qu'on pouvait acheter avec les points d'XP des coachs cette saison. Faudra que je m'y attarde. Et en tout cas, je trouve que l'XP pour les joueurs se gagne beaucoup moins rapidement que la saison dernière. Donc, à voir. Donc, je viens de recevoir le petit Snapchat de Yan Yack. Je pense que je vais lui renvoyer du coup. Enfoiré. Le micro marche pas pendant les chargements. Pardon, puis juste t'entendre. Attends. Attends, par contre, j'ai le son du jeu qui est beaucoup trop fort. Oui, qu'y a-t-il, monsieur? Qu'y a-t-il? Je connais pas ce mot. Hey, je vais te marave la gueule. Allez, c'est parti. Ouais, d'accord, ok. Je te rappelle que quand on joue la folie, d'accord, je te laisse gagner. Tiens! Faut pas pousser. Mais là, je vais te marave, tu crois quoi? T'as cru que j'allais te laisser la victoire? Ok. Donc c'est parti les gens, match contre Yoniak. Donc je pourrais pas lui parler parce qu'en fait j'ai un problème. J'ai mis en fait un setting de sorte à ce qu'on entende beaucoup moins le son du jeu. Et en gros, donc si Yoniak parle, on l'entendra presque pas et ça fera comme si je parle un peu tout seul et ce sera pas terrible. Donc voilà pourquoi j'ai demandé à Yoniak de débrancher son micro. Je parlerai avec lui à la fin du match. En tout cas, bon match à lui. C'est parti. Oh là là, mais ça race. Eh, chaque début de match, donc week 1 et week 2, on s'est pris des putains de deep de merde à chaque fois. Franchement, Ricardo Allen, je crois que c'est lui encore qui se viande là-dessus. Je sais pas si c'était lui ou William Moore, mais c'est archi dégueulasse là ce qu'ils me font, ça me rend. Oh non, il est tombé tout seul. Oh non, mais il est tombé tout seul, sérieux! Ryan est tombé tout seul! Mais je suis maudit. Vous savez quoi? Je suis maudit, les gens. Je suis maudit, je ne peux rien faire. Voilà. C'est comment se faire niquer une tentative. Putain, ah, je suis deg. Ah, ça rend ouf. Oh non, mais. Merci Tammy. Ouh, Jacob Tammy qui la chope. Alors là, j'ai archi mal lancé, mais il fait le big play. Heureusement, putain, c'était chaud. Pourquoi je peux pas lancer? Putain, ça bug. Putain, il y a trop de bugs, ça me rend ouf. Putain, je peux même pas lancer, je peux pas lancer. Voilà. Putain, je suis obligé de prendre un temps mort, fais chier. Merci eSport pour ces Madden sans bug chaque année, ça fait plaisir. Voilà. Là, entre ça, mon quarterback qui tombe tout seul. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Ok, bonne réception de Rulio. Allez, Tevin. Allez, Tevin. Ah! Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça devrait aller. Ok, là je suis dans la merde. Je vais chercher à courir. Mais non! Mais non, je voulais slider. Je voulais slider, pas lancer la balle. Tu peux l'accepter, mon petit Yannick. Tu peux l'accepter. Ok, hop. La screen sur Coleman. Bien sûr, les blocs ne sont pas faits. Sinon, c'était touchdown. Dommage pour moi. Ok. Ah, putain, ça pue la merde en fait. Un, un.
Oui. Non, Tammy. Mais Tammy. Mais putain, catch la balle. Il est tout seul. Tammy. Oh, je suis deg. Oh, le match de merde. Oh, le match de merde, clairement. Putain, je vais la rater. Je vais la rater. Ok, on est bien. Alors, des gros receveurs hein, côté des Giants. C'est du lourd. Use. Putain. Je t'avais cramé, Yanyak. Je t'avais cramé. T'inquiète pas. J'allais taper le user. Oui. Good job, Ricardo Allen. Qui fait lâcher la balle à... Je ne sais pas c'est qui, Moé à qui, je crois. C'est quoi la faute? Quelle est la faute? Holding. Holding qu'on va décliner pour être en quatrième. Et du coup, on va pouvoir récupérer cette balle. Là, j'étais en train de regarder le truc que je dois faire, là, le multidimensionnel. Je mets un touchdown dans la réception avec Telvin Coleman. Pas très simple. Ok, c'est de la zone encore. Et non, mon petit Yoriak, tu n'intercepteras pas sur la gueule de Rulio. Ok. Allez, le first, Telvin. Ok, le first est pris, nickel. Ok, pas mal, bonne course de Telvin aussi, une nouvelle fois. Je vais peut-être faire un truc de ouf là-dessus. Eh oui. Oui. Oui, Anderson. Good job. J'ai vu qu'il allait prendre de l'avantage, les safety étaient avancés. Donc ça se tentait. Et au final, on le tente. Pour presque le touchdown, on échouera à deux yards. Voilà, l'analyse du terrain toujours. Hop, course extérieure, il faut des blocs. Tranquille, nickel. Bon travail là au line. Bon travail de tout le monde. Et touchdown de Tevin Coleman. Ah, Warilo qui est un peu lent là-dessus. Et bon, ce sera bien stoppé par William Moore. Ah, bien joué. Bien joué, Yandiak. Parfaite lecture. Et là, ce serait bien de le défoncer, le petit Jennings, là, parce qu'il va vite me casser les couilles. Oh, bien joué sur Donnell. Tiens. Boum, shakalaka. Kemal Ishmael. Putain, mais c'est qu'il est bon, le petit, hein. J'ai du mal à... J'ai du mal à défendre, là. Ouais, bien vu le tag de Brooks Reed, autant pour moi. Par contre, voilà, ça avance toujours. J'ai vraiment du mal, là. Ok, c'est une play action. Ouh, boum, shakalaka. Paul Warilo, le hit qui fera lâcher la balle à Randle. Oh non. Oh, il aurait catché, j'aurais trop les boules. Ah, il lui a mis dans les mains, là, sur le type de la balle. Je sais pas c'est qui devant. Southward qui est passé corner et qui est vraiment pas trop mauvais. Qui a des bonnes mains en plus, qui peut faire pas mal d'interceptions. Ok. Oh non. Non. Bien joué, Yoyak. Oh là là, putain, j'étais tout seul après. Avec Roddy White, j'étais tout seul. La O-line qui a pas résisté assez, malheureusement. Oh, Ricardo, tu l'as celle-là. Ah putain, il était descendu de nulle part, il l'avait pas vu en yak, je pense. Ah, c'était fait exprès en plus, c'est dommage. De Tyden à droite, ça peut être de la course, si jamais il a assez toqué pour jouer ça. On, oui, bonne défense, good job, Alford. Elle était dure à lancer quand même celle-là, Yanyak, c'était risqué de sa part. Oui, Tevin. Allez. J'ai besoin de bloc. Oui, Tevin. Nice. Ah, ça aurait été bien de break le tac, Roddy. Roddy Frulio. Oui, Roddy. Oui, Roddy qui prend le first down sur cette pit in. Et tout seul devant Devontae Freeman là-dessus. Nice.
Ok, on va courir avec Matt Ryan. Ok, nice. Tout seul. Oh là là, putain, Ryan qui la lance mal. Ryan qui la lance mal parce qu'il reculait en fait en lançant. Et du coup, il a pas pu appuyer sa passe. Ah putain, je suis trop deg. Oh, je suis trop deg. Ah, je suis vraiment trop deg. Putain, c'était TD, ça, normal. Normalement. Ah putain, je lance trop d'inter cette année. Des intercons en plus, la plupart. Yes. Voilà, le 2 contre 1 qui fait lâcher la balle à Cruz. Oh, pourquoi il l'intercepte pas celle-là, Collins? Je te déteste. Ah, je te déteste là. Ah là, je le déteste. Ah. Voilà, les trous bien bouchés. C'est pris à l'extérieur. Oh, je me suis trop chié. Heureusement, il rate sa passe parce que je m'étais trop chié sur la couverture. Je savais ce qu'il allait faire, mais je sais pas, j'ai fait une couverture de merde. Oh non, putain, elle est contrée. Je suis deg. Oui, beau catch de la part de Julio. Bonne passe sur Ankerson. On continue en huddle. Ok, parfait. La passe sur Ankerson, qui fait un très bon travail sur ce match, Ankerson. Ah, il est là. Il montre qu'il est là, qu'il faut pas l'oublier. Ok, bon travail. Ok, c'est ouvert au milieu. Et on va peut-être... Non, j'allais dire, on va peut-être pouvoir marquer notre premier TD. Finalement, non. Ok, la passe tranquille sur Julio. Touchdown. On est bien. On va jouer un peu avec Beasley, tiens. Oui, la pression. Ah non, ça joue de la passe. Ah, Duren, tu peux l'intercepter, celle-là, Duren. Oui, voilà, c'est ralenti. On va prendre nous notre temps mort, comme ça il nous restera peut-être 20 secondes pour faire quelque chose. Et non, mais il reste 20 secondes si je le stoppe. Ouais, la balle qui est tippée. Et ça va nous laisser de la marge pour pouvoir tenter quelque chose. Sortir, il restera 6 secondes. Est-ce que ça se tente? Au retour de la mi-temps, en plus, normalement, on devrait récupérer la balle. Si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. Les Dirty Birds qui commenceraient sur une fiche de 2-0 dans ce cas-là. Allez. Alors, devine. Oh oui! Ah! Putain! Dommage. Oh putain, c'est le joueur qui me rattrape à chaque fois, putain. Petite passe sur Julio, petite slant lancée très rapidement. Finalement, on va courir au centre. Ça suffira largement. Avec Devonté. Ah, oh, Ankerson, garde-la, enfoiré. Oh. Oui, le blitz de Brooks Reed qui passe et qui met Yuriak dans une situation délicate de 3ème et 21. Non, mais non, putain, je mets deux mecs sur Cruz exprès, putain. Putain, exprès. Tipez la balle, les gars. Ah, bien vu. Ah, putain, bien joué. Petite passe sur Jennings. Ah,
Ah putain, les cœurs à chaque fois. Ah, Orilo qui est sorti, c'est Stupar qui est rentré à sa place. Oui, nice. Oh non, j'ai fait de la merde. Oh putain, j'ai trop fait de la merde. Yannick qui revient un peu. Allez, good job Rulio. Allez, 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 Tevin. Oui. Oh là là. Oh, Tevin Royal. Tevin Royal sur cette course. Il est royal. Oh là là. Ce qui nous fait. Ce qui nous a fait là-dessus. Oh là là. 133 yards sur ce match, Tevin. Ah, il a fait le taf. J'ai pas trop pu m'appuyer sur mes receveurs avec Ryan, j'ai eu du mal. Et heureusement que Tevin m'a bien aidé sur ce match pour l'instant. Oh, je me suis trop chié. Mais putain, j'en ai marre des big plays de merde. Je me prends tout le temps, ça fait deux matchs, je me prends trois fois le même big play. Des vieilles fêtes comme ça où mon safety ne réattaque pas, je sais pas, il fait de la merde. Sur des fours verticales de merde en plus. Ça me rend juste ouf. Bon, on va dire que ça arrive. Ok, Rulio, good job. William Carson, ouf. Pas mal, pas mal. Oh, Ankerson qui fait un match de ouf, qui est souvent libre. Ils mettent beaucoup là-dessus. Ouh, Rulio qui était pas loin. Ça se tentait, j'avais envie de la tenter. C'est dommage. Oui, et Tevin qui marque un nouveau TD sur réception cette fois-ci. Nice. Il est bon. Il est bon dans ce qu'il fait, Yanyak. 7 minutes restantes. Oui, user pick. French touch baby, Paul Warilo. Sur les slants, je les avais bien lus. Oh non, mais je suis trop con, putain. Putain, mais je le vois pas. Son DN qui reste là, c'est qui son 91? Il me casse les couilles. Ah, c'est Ayers. Ah, mais il me rend ouf. Il me rend ouf. Non mais sérieux. Sérieux, il tombe quand? Il tombe quand? Oh putain, je peux plus la voir. Ah, débarre, putain, fais chier, bordel. Ah, je suis dead. Putain, et du coup je lui offre l'occasion de revenir. Je fais vraiment n'importe quoi sur mes plays défensifs. Passe sur Julio Jones qui s'est blessé, putain. Ouais, je suis dans le mal là. Ouais, je suis dans le mal. Allez, Hardy, mon rookie. Yes, qui prendra le first. Allez. Allez, Hardy. Oui, mon rookie. Oh non. Non, 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 non. Ok. Donc on va prendre Roddy White, on va laisser Jones se blesser, hein, c'est notre plus gros élément. S'il se blesse, on l'a dans le cul, donc on va garder Roddy White en titulaire numéro 1 pour le moment, jusqu'à ce qu'il revienne en bonne santé. Nice. Jacob Tammy pour le touchdown. Good job. Nice. Jordan qui était un peu les Giants en plus. Bon, c'est son. Boum, chakalaka. Merci Warilo. Oui. Oui, Walford. Ah putain, j'aurais trop pu aller marquer. J'ai trop fait de la merde. Quoique.
ça se tente de faire le con des fois. Ces corners sont archi chauds. Hein. Ils ont vraiment réussi à défendre sur Julio et compagnie sur ce match. Donc franchement, bien vu Yan Yak, des corners. Qui ne sera pas lancé par l'arbitre. Ok, petit field goal. Match très offensif hein, quand même, 44-31. Ça avait commencé assez défensif pourtant. Oh, elle est catchée. Oh mon dieu. Juste mon dieu quoi. Oh mais mon dieu. Ah, ces receveurs qui sont chauds hein. Là c'était Beckham Junior. Ah, ça fait le taf. Ça fait le taf côté Uriac. Oui, bien vu ça. Oh non, il est tout seul, Victor. Allez, c'est pas fini. Ce match n'est jamais fini. Allez, Tevin. Pousse-moi ça, mon gros. Allez, les gars. Oui, Julio. Oui, Julio. Dommage. Bon. Ouh, il a jump le snap. Oh là là, Tevin qui est monstrueux là-dessus. Tevin qui est juste monstrueux. Yes. Le first down qui est pris. Fin du match. On va pouvoir poser le genou et célébrer cette victoire. Deuxième victoire de la saison. Alors, deuxième match très très serré. Hein. Vous avez vu là pour l'instant, on est un peu à l'image des Falcons du début de saison des Falcons. Avec des matchs quand même assez laborieux où on a du mal à gagner. Mais ça fait des matchs assez beaux à regarder. Donc je pense que ça vous plaira en tout cas. Ah oh, mon Yuriak, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais mon petit Yuriak? C'est quoi ça? Bon alors, que penses-tu de ce match? T'as mis de l'huile sur Coleman, non? J'ai l'impression, hein. Il a été bien chaud. Il a été bien chaud, mon non, Coleman. Attends, on verra les stats à la fin du match, mais c'est ouf, quoi. Ah ouais, non, mais il a été très chaud. Il a été très chaud. Il a été très chaud. Et puis, le TD que tu mets quand tu pars à l'extérieur à droite. Oui, je vois. Bon, là, ça l'a coupé. Bon, les gens, je vais aller parler en partie vite fait avec lui, genre peut-être 5 minutes. Et puis en tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous montrer juste vite fait les statistiques. Et puis on se quittera ensuite pour ce deuxième match. Alors le troisième match sera contre les Cowboys d'Area Codes. Donc ça fera un autre match assez marrant à jouer pour moi parce que Area Codes c'est quelqu'un que je connais bien aussi. Alors est-ce qu'ils veulent bien montrer les stats? Yes. Alors Ryan, en fait, qui a des bonnes stats si on regarde pas ses interceptions, justement. Regardez les stats des deux équipes, ce sera mieux. Le meilleur rating, c'est Manning. Ryan qui a 102 de rating. Ça aurait pu être beaucoup mieux sans les interceptions. Donc 3 TD, 2 inter pour Ryan. 394 yards à la passe. Manning, 473 yards. Voilà, beaucoup de longues passes, beaucoup de big plays pour Manning. Coleman, MVP pour moi, 25 essais, 165 yards, 6,6 yards par course, 2 TD. Ensuite, réception, Rulot Jones, 10 réceptions, 110 yards, 1 TD, c'est pas mal. Jennings, 7 réceptions, 53 yards. Ankerson, 6 réceptions, 120 yards. Victor Cruz, 5 réceptions, 215 yards. Coleman, 5 réceptions, 51 yards. Beckham Jr., qui fait pas un si gros match que ça. Donnell, Randall, Justin Hardy qui a fait un bon match aussi, notre petit rookie, Devontae Freeman, voilà. Là vraiment mon équipe m'a bien fait plaisir, mon offense. Après au niveau de la défense, le plus gros plaqueur c'est Alford. Ensuite on a... Ah, on n'a pas fait énormément de plaquage. Sérieusement. En fait tout le monde a un peu plaqué, du coup ça n'avait pas beaucoup de plaquage. Ah, faut regarder les total tacks, j'avais pas vu. Alors notre plus gros plaqueur, c'est Alford avec 6 plaquages, ok d'accord. Au niveau des tacks for loss, c'est Claiborne. On a fait qu'un tack for loss je crois, ouais c'est ça.
Niveau des sacks, on a un sac de Brooks Reed et moi j'ai été sacké une fois par Robert Ayers. Les interceptions, donc on en a une d'Alford, une de Worilo, une d'Amu Kamara et une d'Ayers Junior. Et puis c'est tout, je crois qu'il n'y a pas eu de fumble. Non. Pas de TD défensif. Ok, bon les gens, c'était Alex Vic pour ce week 2 contre les New York Giants de Yanyak. Je vous souhaite à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao tout le monde. Willie Moe always ready. Willie Moe always ready. Willie Moe always ready. Willie Moe always ready. Most city, man.